À l'enterrement d'une feuille morte, deux escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire, du crêpe autour des cornes. Ils s'en vont dans le soir, un très beau soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées. Et les deux escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil. Le soleil qui leur dit « Prenez, prenez la peine de vous asseoir. Prenez un verre de bière, si le cœur vous en dit. Prenez, si ça vous plaît, l'autocar pour Paris. Il partira ce soir, vous verrez du pays. Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis. Ça noircit le blanc de l'œil, et puis ça on les dit. Les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli. » Vous pouvez sortir. Les couloirs étaient immenses. Ça sentait les ordures. La minuterie s'éteignait tout le temps. Et dans le noir, je courais le plus vite possible. Je me souviens, il faisait très froid. Nous, on habitait au 4, elle au 3. Allô? Non, j'ai pas pu trouver de solution. Vous pourriez attendre encore un peu, s'il vous plaît. D'accord. Demain. On sera parti demain. Tu veux l'enlever? Moi, je mets partout. Moi. Oh, t'as encore remis cette horreur. Gentil. Tu veux me chercher le tube de crème rose que je t'ai mis il y a 3 jours. Tu prends le gros scotch et tu prends du coton aussi. D'accord. Va. Merci. Heureusement que t'es là pour me soigner, toi.
tu dessines avec des choses. Anaïs ? Tu veux qu'il meure ? Tu comprends vraiment rien ! Anaïs, sors. Je suis désolée. Je savais pas qu'il avait soif, l'éléphant. Je croyais qu'il voulait manger le poisson. Les éléphants, ça ne mange même pas de poisson. Mais je croyais. Je suis désolée. Tu dis n'importe quoi. En plus, je suis pas bête. Les peluches, ça n'a pas soif. Anaïs, sort. Pardon. J'aurais pas dû crier. Viens, viens, on va au bain. Si je sors et que je vais au bain, je te promets que tu me gronderas plus. Oui, promis, je te gronderai plus. Tu promets qu'après le bain, on regardera Peter Pan ? Oui, c'est d'accord. On regardera Peter Pan. Anaïs ? Arrête. Ouais, mais sur le menton. Sur le menton. En fait, sur le menton. Oh, c'est sur le menton. Allez, maintenant, on se lave. On se lave.
Anaïs. Je veux Sophie. Non. Je veux Sophie. Ah, t'as pas besoin de Sophie pour te laver. Si, je veux Sophie, je veux Sophie, je veux Sophie. Elle dormait. Puis elle se réveilla. Elle entendra un bruit. C'était la mer. Elle marcha et descendit en buis. Puis elle tomba de la cascade. Elle ne savait pas nager. Alors son papa venait la secourir. Elle remonta et alla se coucher. Avec la berceuse de son papa. C'est qui? C'est qui? Bonjour madame, je suis une amie d'Anaïs et dans 3 jours c'est mon anniversaire. J'aimerais bien l'inviter. On peut venir avec des déguisements? Non.
Le lendemain matin, ils l'ont retrouvée inconsciente à côté d'une boîte de médicaments. Anaïs, elle était couchée sur son lit, la couverture remontée jusqu'au menton, puis avec sa girafe Sophie entre les bras. Au début, ils ont cru qu'elle était endormie. Anaïs était ma copine. Et elle habitait au troisième.